Bonsoir et bienvenue sur Baou, merci d'avoir cliqué. Ce soir, petite vidéo. On est en train de chiller. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Aïe aïe aïe. Niveau religion, niveau. On dirait que c'est en train d'installer un championnat là. Et jure, t'achètes un circuit, tu sais. Tu sais, les délimitations et tout là. Ouais. Ce qu'on avait regardé, tu prends le bas de la carrosserie là à l'arrière. Gros, c'est méga haut en fait les bordures qui passent là pour enlever l'arrière. C'est haut comme ça une bordure. Ça, c'est un vestige du passé. T'as à l'époque de nos grands frères, tu vois. Ça avait trop fait les caisses accessibles pour 45-50 balles. Je trouvais ça en magasin, ça allait à 30-40 km/h. C'était une dinguerie. Tu veux qu'on mette craie et flow comme ça, ouais. Et on doit passer dans les premiers plots, deuxième plot, troisième plot. Il s'est chauffé, il a même fait les zébras. C'est chaud de fou, hein. Un gros drift, sa mère. Yep, voudoudou, comme il fait là. Sauf que plot, c'est pas PLOT, gros, c'est pas PLO. Si, je pense. PLO, tout court, hein. Plot, c'est PLOT ou plot? PLEAU. Ouais, gros, travers, en mordant le zébra, ça sera incroyable. Ouais. Travers. On arrive en travers extérieur comme ça. Et on repart ici. C'est arrivé juste ici déjà. C'est masterclass. Et là, c'est validé. Et s'arrêter là? Ouais. Like a jet ski. I'm just trying to live, little mama, don't text me. Watching from afar. C'est l'atelier numéro 1 de la soirée. Là, on a les 3 batteries pour 2 voitures. Clem, il a 2 batteries sur la Camaro. Et la bleue, elle a une batterie. Donc, ça va être genre 2 heures, tu vois. 2 heures, si tu chill, 2-3 heures. Parce que tu roules pas tout le temps comme un dingue. Ça va être chaud des fous, hein. Préparation du matériel. Et quand on aura plein de carrosserie, plein de matos, ça va être plein d'argent. C'est surtout plein de batteries, gros. C'est vraiment ça. Quoi le projet là? Ah, c'est clairement arrivé, donut sur pas. Ah ouais, mais c'est chaud là. Cool là. C'était bien aussi l'idée de slalom. Après, ce qu'il y a, c'est que ça bouffe beaucoup de batterie. On avait peur que ça prenne de fou la batterie. Ah, bien vu. Ça fait quoi? Ça fait une heure qu'on roule là. Ça s'use tellement moins quand tu fais des ateliers. Hyper chaud les gens en vrai. Tu sais que les gens de piste et mine en route là. Toujours entretien du véhicule. Jamais sucé l'auto. Neuf dans le papier comme on dit. T'as mis les pneus en route? On va tout faire rentrer. Le parking, c'est devenu un terrain de jeu, le bordel. T'as vu, c'est l'autre qu'on a, nous. Mais c'est à toi aussi, gros. C'est la thermique. Mais oui. Gros, c'est carrément les mêmes pneus. Ouais, il m'a appris, j'ai cru qu'il avait encore acheté un truc. Et ça, c'est le châssis qui a rien dedans. Mais pour un machin qui est censé avoir. Il va plus de 25 ans. 25 ans. Et l'autre, gros, il est encore plus propre, mais qui est blanc, qui est full. Il est encore ultra bien usiné, je sais pas ce que vous en pensez encore, mais c'est trop. Ouais, j'ai oublié de te le donner en plus. Bon, il y a du taf de rénov, mais. Ça, les gens, ça monte à 130. Me
Regarde l'auto du Shaitan. Moi, ça lui fait du. Ah, bah oui, en plus, j'avais regardé ton vlog du Russell Chenow. Ah, c'est chier, il est tombé ici. Regarde l'auto. J'étais tombé sur son vlog de Russell Chenow. Oh non, j'y ai cru. T'avais peut-être trouvé une astuce pour transformer nos châssis en des châssis qui valent 400 balles, juste en une pièce usinée à la main à l'arrache. Ouais. En fait, ça te permet de modifier l'angle de braquage. Ça grade de fou ta voiture. Et ouais, en fait, t'as vu, il a tout serré là. Cette pièce là, et ben il a rajouté une pièce de 3 par 2. Comme ça, sinon tu peux pas braquer. T'as beaucoup coupé ça, tu pourras braquer. C'est rallongé. Quand vous allez réussir à drifter ensemble, ça va être fou. Oh là. Oh, c'est bon. Oh, c'est trop bien. Fils de pute. Ouais. Ça aurait pu. Voilà. Ouais. En vrai, ça passe ou pas? Ça passe en vrai. Pas l'idée ou pas les gens? Oh non. Allez. Pour l'instant c'est un peu à l'arrache, on a juste des craies et puis ça fait le terrain tu vois, mais bon, pour l'instant c'est le top tu vois, c'est évite de mettre trop cher non plus. Bon voilà les gens, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de format on refera, et surtout n'hésitez pas à venir nous voir, nous parler de tout ça, de ce kiff, du modélisme, du drift. Laisse même pas me faire le trop tranquille. Voilà, je vous laisse là-dessus. Putain, mais il y a un circuit entier, il y a le garage, je roulais ailleurs, wesh. Sur ce, en plus.